Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue au Slicin Racing pour la course numéro 8. Ce soir, le Slicin vous présente ça avec une grande joie, le circuit de Monza, un circuit très aimé en général par la Ligue et un circuit très rapide également où on voit toujours beaucoup d'action. Alors on devrait avoir beaucoup de plaisir. J'en profite pour vous dire que ceci vous est offert grâce à Slicin.ca ainsi que ses partenaires affichés à l'écran. Slicin, distributeur officiel de Thrustmaster, des produits Thrustmaster. Vous avez également Passion Simulation et Spenard Simulation qui vous font des cockpits sur mesure. Andrew Range Academy et l'école Jean-Paul Cabana, deux endroits où vous pouvez aller magasiner pour des cours de pilotage ou des essais routiers de véhicules spéciales. Et Perry Auto également pour des achats et Instadel qui va vous aider aussi pour vos éclairages. Alors n'hésitez pas à aller les visiter, ça va leur faire plaisir de vous aider. Ceci étant dit, aujourd'hui, la course numéro 8, on est en direct de Monza, comme on disait plus tôt. La longueur de la piste est environ 5 km, quasiment 6 km de long. 11 virages, dont le premier qui est une chicane assez monstrueuse et où il y a souvent des incidents parce qu'on arrive à plus de 260 km/h, je dirais. On a une température pas mal normal, là. 26, 55 et 7 sont les temps, les températures données par le système. J'en profite aussi pour vous montrer le résultat des qualifs. On peut voir que Bernie vient de terminer. Et voilà, les voitures qui vont gridder. C'est un départ lancé ce soir, alors des voitures qui vont se lancer sur le vert et pas avant. Quand la voiture va tomber green, 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 c'est à ce moment-là qu'on va commencer à accélérer et non pas avant. Je sais pas si je serais capable de vous donner. Non, c'est ce que je pensais. Okay. On va vous arranger ça, ça sera pas très long. Alors, si on y va avec les résultats de qualif, on a Pichette qui fait la pause ce soir. Alors, un nouvel homme à battre à 1.42.9. C'est le seul à tourner des 42. Alors, Bruno Pichette suivi de James Laflèche Davidson qui est en deuxième. Faudrait que je corrige son nom d'ailleurs, je viens de le voir. David Serrois troisième, lui qui dominait depuis le début de saison. Et là, ça semble un petit peu plus difficile pour lui. Qui est en troisième place. Et les pilotes qui vont s'apprêter à démarrer. Je vais essayer. Il semble avoir un petit problème côté. Alors, si on a. Voyons, désolé. Alors, suivi de Savoie 4e, Léger 5, Léger très puissant sur Monza. Bachelard 6, Boulian 7, Larouche 8, Gignac 9e, Trudeau 10e, Lemieux, Schaffner. Lemieux qui vient courser avec nous ce soir, qui n'est pas là souvent cette saison, mais quand il peut, il fait. Ce soir en est une. Alors, on a surveillé un très bon pilote. Belair 17, Bloch 18, Demers 19, Howard 20. 21 Canuel, Giguère, René Godet, Garceau, Bernier 26, Baudouin, Massé, Luc Massé, JF Leblanc, Patrick Rousseau, Nicolas Lalande, Justin Delisle à sa première participation avec nous ici. Et Guillaume Lévesque qui n'a pas réussi à établir le chrono, mais lui qui est très rapide dans ce style de GT devrait être un peu. Et Jean Gaulle. Alors, des pilotes qui vont se lancer. Sur un départ sous peu. On va aller modifier nos affaires. Alors, on est en caméra de course maintenant. Nous avons. Alors, voilà, on a une trentaine de pilotes qui devraient nous donner un spectacle. On a Pichette et La Flèche. Un petit peu difficile à différencier, mais si vous voulez un truc, Pichette a le hood noir avec le fameux M Monster au centre. Et La Flèche, la voiture est un petit peu plus belle parce que c'est Slicin au centre. Alors, bon petit truc.
Et alors, le départ qui va être lancé, sous peu, on peut voir que le leader mène la troupe, en fait. On attend le vert pour donner le gaz. Et on va entendre. Et voilà, c'est fait. L'accélération est maintenant commencée et à surveiller là, le haut derrière. On a eu un petit dérapage. Mais le T1 qui est très, très, très dangereux. Alors, c'est vraiment à surveiller. Ça pourrait très mal virer. Ça passe de façon très difficile des fois. C'est DG qu'on est à bord de la voiture de DG présentement en side-by-side avec Savoie. Et DG qui doit laisser passer. Pour le moment, ça semble très bien. Écoute, j'ai aucun grabuge derrière. On m'a dit que ça a passé pour tout le monde. Au T1, bien sûr. Vous pouvez voir le top 15 présentement à l'écran. Alors déjà, oh, la flèche qui vient de faire un slowdown est déjà par deux positions, peut-être même une troisième. On manque, oh mon dieu, 3, 4, 5 positions perdues pour la flèche. Oh, c'est affreux pour lui. Et là, ça continue. 6, 7e. En 9e place. Est-ce qu'on a pu accélérer avant Gignac? Et on semble être side by side avec Gignac. Et même Gignac lui, ça passait. Alors, 10e pour la flèche. Alors, les slowdowns qui sont extrêmement coûteux, vous venez de le voir. Surtout sur le premier tour. Alors, position gratuite pour Serrois, Savoie, Léger, Bouliane, Bachelard, Larouche, Trudeau et Gignac. Oh, Martin Léger qui l'a échappé au T1. Ça va être coûteux. Et mon dieu, on est rendu 27e. Léger qui était en 5e place. On a juste plus douce et personne n'en est la cause. C'est vraiment une erreur de pilotage de la part de Léger. Et ça, c'est surprenant venant de lui. Pilote qui performe super bien sur ce circuit-là. Et... ça veut dire, oh, la rouche qui s'est faite. Est-ce que c'était la rouche? Ça semble être la rouche. Voilà, DG qui va maintenant passer à l'intérieur de OG. Canuel, 14e, à la poursuite de son coéquipier Simon Schaffner, qui passe en deux entre Mercier et Belair. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est Belair? Je suis même pas certain. Oui, c'est Belair. Alors, Belair qui vient de céder le passage à Schaffner. Et maintenant, à son tour, compte à compte avec Mercier. Oh, je pense qu'on vient de gagner une position pour Belair. Là. La Corvette qui est très rapide sur la ligne droite, mais... regardez ça, 3 de large. Arrivé au T1, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va passer à 3 de large? Et Mercier qui a choqué. On n'avait plus de place, on n'avait pas le choix en fait. Et c'est Mercier qui doit abandonner sa position. Et là, on a le 3 qui a passé. Et ça fait mal un petit peu aussi. Alors, beaucoup d'action en début de course. Bon, Belair qui tente toujours sur Schaffner, mais Schaffner qui est en position avantageuse. Oh, Canuel qui est venu très près de Belair et ça aurait pu avoir couchette, mais là on va prendre l'intérieur. Ouf, on n'a pas réussi. Et là, Belair qui était très très large, ça aurait pu mal finir. Et oh, Bernier derrière! On semble avoir réussi à arrêter juste avant le mur, juste derrière Godet.
Mike Belair qui ne lâche pas. Canuel, on se sert beaucoup de l'aspiration. Un circuit justement qui est très propice à ce genre de course. Et voilà, déjà on prend l'intérieur et ça sera gagné sur Canuel. Sur HPP derrière de Pat Lancette, juste avant ça de la vallée en la Superman qui suit de pas très loin. Et je crois que c'est Eric Locke qui est en intérieur sur la vallée. Belair toujours en side by side avec Canuel. Oh, Canuel qui vient de faire une belle sortie. Obligé Belair à freiner un petit peu. Ça va être profitable à Mercier à son tour qui va réussir à se hisser côte à côte. Et là, arrivé à la prochaine courbe, je pense que Mercier ouvre. Mercier va être en avantage. Et oui, c'est fait. On vient de passer. Belair qui tente de croiser, mais on n'a pas d'espace étant donné la chicane. Oh, on vient de toucher le mur ici. Je pense que c'était Belair, ça. Et on, à l'intérieur, c'est Carbonneau, je crois, qui c'est ça. La Lancette également, oh Belair qui est très lent, on semble avoir endommagé l'auto ou je ne sais quoi. On se défend sur la Lancette et... Oh non, touchette! La Lancette est belle! Oh, ça a envoyé Belair dans le mur! Et solide en part de ça. Ouf, ouais, l'auto disparaît. Là c'est clairement un abandon ici malheureux de Belair. Ramène, écoutez, ça a bougé pas mal. On va mettre le plateau des positions du top 15. Alors, toujours Pichette qui mène juste devant ses roues, 1,4 secondes. Alors, Pichette très solide ce soir à Monza. Suivi de Savoie également, Bachelor, Boulian. Et si vous regardez, il y a beaucoup de corvettes à Monza qui performent. Au top 5, 3 corvettes. Au top 10, on en a 7. Très performant. Ouais, c'est Carbonneau qui était en 15e place. C'est vraiment lui qui poussait contre Belair. De Marc-André Larouche Aston Martin numéro 17 Unibrew qui tente de remonter le peloton et c'est Boulian qui doit se défendre avec la flèche et la flèche qu'on se rappelle avait été très rapide en qualif alors le momentum pour passer probablement c'est vraiment une question de temps puis on a fait un slowdown qui a été très coûteux. Même chose pour Léger qui est descendu jusqu'à la 27e qu'on a vu plus tôt ou quoi que ce soit. Puis c'est un. On a échappé au T1, alors la première chicane. Et voilà, Eric Bloch. Et on, justement, on voyait Léger un petit peu plus loin derrière. J'ai pas pu voir c'était à quelle position, mais. La flèche qui est side by side avec Boulian. Est-ce que ça va passer ici? Et Boulian, ouais, qui tente de se défendre sur la flèche, mais finalement, carrément laissé place. C'est Larouche qui l'a rattrapé. Oh! Larouche et Boulian, petit contact là, les deux voitures ont levé de terre et ça aurait pu mal virer, mais ça a bien été. Mais on a perdu du momentum à cause de ça et c'est Trudeau qui vient menacer Larouche maintenant. Trudeau qui est toujours en bonne position présentement. Rien à dire.
On aurait déjà trois abandons, dont Belair, Garceau et Steve Baudin. Présent. Voiture 991 de l'évêque qui se rapproche derrière, on a pu la voir. L'évêque va tenter l'intérieur sur la lancette. Ça semble être bien fait pour lui. On dirait bien une position de plus de gagner ici. La Corvette qui a beaucoup plus de vitesse. Alors, la seule chance à la lancette est de se faire aspirer par les jets devant. Et oui, c'est réussi. Alors, l'aspiration de DG qui vient de sauver la. Oh non! L'évêque qui a replongé. Oh, mon Dieu, je vais voir ça. Ah, désolé, on est perdu malheureusement. Est-ce qu'on a réussi? Ouais, on a réussi sur la lancette, on peut le voir. Alors, c'était très serré, mais c'est finalement bien fait. Oh! On a eu un crash ici, je crois que c'était Bachelard. Est-ce que c'était Bachelard? Non, Bachelard est cinquième, alors ça serait Gignac. Ouais, Gignac a l'air d'être en perte. Léger qu'on a vu tantôt être en 27e et maintenant 16e. Alors, belle remontée pour lui, ça va bien. On lui souhaite la meilleure des chances pour réussir à revenir au top 10, mais ça sera vraiment pas facile. Voilà, Carbono qui prend l'intérieur sur le bloc. Et même chose pour Léger qui fait deux lignes pour aller chercher. Se ravise, on retourne derrière. Ouf! L'évêque qui s'est rapproché d'un seul coup sur DG. L'évêque et DG qui sont en remontée. Et voilà, DG qui va prendre l'intérieur sur bloc à la chicane. L'évêque qui tente. Oh non, c'est l'évêque qui va en profiter! Intérieur sur bloc et on est à 3 de large dans le. Oh mon Dieu, c'est vraiment pas facile, c'est très brouillon. Bloc qui en a plein les bras. Et là, c'est léger qui va. Et non, bloc qui veut se défendre. DG qui est à l'intérieur de l'évêque. On ne réussit pas personne à déranger Bloc pour passer. Demers qui a fait un save derrière. On a pu voir qu'il s'en allait clairement dans le mur. On a réussi à sauver ça de justesse. Et, oh, c'est René Godet ici derrière sur Demers. Et toujours l'évêque en drag racing contre Eric Bloch. Est-ce que ça va passer? Même chose pour Demers et Godet. Et oh, Demers qui n'a pas freiné là. Ça pourrait mal. Oh non, Demers qui, oh, qui vient d'aller. Oh mon Dieu. Demers va devoir passer d'Alcotes, c'est certain. Mais là, l'évêque qui réussit à continuer, j'en ai juste pas. Demers, à mon avis, scrap.
Les vrais qui semblent être capables de rouler, c'est plutôt surprenant. On s'attendait à ce que la voiture soit scrap, mais finalement, elle est très bosselée, là, mais semble encore être capable de rouler. Alors, au moins, la voiture n'est pas scrap. Une chance pour lui. Qui semble, oui, il a réussi à passer, mais semble manquer de vitesse maintenant. La voiture semble un petit peu weird à conduire. Alors, on a une question de Jonathan Brabant qui demande comment on fait pour jouer. C'est très simple. Vous devez être membre de iRacing.com, comme qui est écrit en bas à droite de l'écran. iRacing.com qui est un simulateur de course où beaucoup de vrais pilotes s'entraînent. Et... en plus, vous adhérez à la ligue du Slice Sim Racing sur Facebook, sur le groupe Slice Sim Racing, et dans iRacing également, nous avons un ligue directory pour faire une recherche pour Slice Sim Racing. Et voilà, merci à la répondu en plus sur le chat. Et je tiens à dire que tout au long des streams, vous allez recevoir des fois, si vous regardez beaucoup de nos streams, vous allez recevoir des étoiles, puis si vous êtes Welling pour ça. Oh, derrière Boulian, je crois. Les HPP avec les roues jaunes. Oui, c'est Boulian. On retourne d'abord. Oh mon dieu. Boulian qui. Il était 7e, mais là, ça, on va dégringoler. L'auto a frappé solide. Je suis pas sûr que ça va être. Je suis pas sûr. Oh non, Godet qui vient. Ouf! Godet qui vient de sauver ça de justesse, les amis. Oh là là! La récompense, Jonathan, c'est de courser avec plein de monde, avec un talent incroyable et un respect incroyable. C'est la récompense que tu vas avoir roulé avec nous. Des fois, il y a des concours, il y a des petits cadeaux, mais il n'y a jamais de prix à une saison quoi que ce soit. Oh non! Oh non, Schaffner qui vient de se faire bousiller sa course par Canuel, son coéquipier qui l'a carrément sorti. Oh, mais c'est incroyable. Le chat sort du sac. La voiture GoPro de Patrick Rousseau qui roule en 22e position, juste derrière Auger et juste devant, si je ne me trompe pas, c'est Lalande. Alors, Massé a abandonné Garceau. On n'a pas d'autre abandon, alors... Boulian qui aurait continué. Mais je pense que ça va s'arrêter pour lui. Je pense pas qu'on va pouvoir continuer à rouler. Je l'ai pas vu encore. Peut-être qu'on décide de ne pas prendre le towing et se rendre au pit, là, mais selon mes. Alors, on le voit devant plus loin là, la boucane. Alors, Schaffner qui va tenter de rentrer au puits. Non, si on fait du open wheel, pour répondre à la question sur au chat, si on fait du open wheel, ça va se faire dès l'été, la saison d'été qui est pris un petit peu plus à la légère.
On va peut-être se jeter dans des séries open wheel un petit peu pour le plaisir, mais les mardis soirs sont vraiment axés sur les voitures GT, puis les jeudis soirs sont axés sur les voitures stock car. C'est vraiment le focus qu'on a présentement. Voilà, l'été prochain, la voiture sera annoncée au mois de décembre pour l'été 2019. La voiture a été choisie, juste à faire un petit montage. Alors, Rousseau qui réussit à passer sur la lande et se retrouve derrière Auger encore une fois. Et oh, est-ce que c'est Trudeau qu'on voit derrière? La peur. Non, Trudeau est top 6. Alors, ok. Le panneau du top 15 un petit peu, je vais vous le représenter tantôt. Alors la bataille présentement la plus intéressante serait celle de Martin Léger, où on est à 0,2 secondes de Luc Carbonneau. Alors Léger qui déjà, avec même pas une mi-course, déjà se pointe pour le top 10. Ça serait vraiment un record de vitesse de remontée, je crois. Oh, Canuel qui vient d'abandonner. Savoie vient d'abandonner. Deux autres. On vient d'en perdre deux autres. Alors, deux positions gratis ici pour Léger. Alors, le voilà à l'écran. Martin Léger, dixième position. Toujours en bataille, Léger et Carbonneau qui travaillent fort. Martin Léger qui va tenter de prendre l'intérieur. Et ça semble une bataille vers une victoire certaine. Et voilà déjà, avant même l'apex, on est allé chercher la position. Très solide dépassement ici. JF Leblanc, même chose en bataille. On arrive à la chicane. Est-ce que Leblanc va réussir à se mettre devant? Et non, on est un croisé un petit peu inquiétant de la part de la lande, mais on réussit à sauver la voiture. Alors voilà, Leblanc qui réussit à passer de façon très propre. Et toujours Lévesque avec Eric Block. Et voilà Lévesque qui va s'arrêter au bout. Lui qui va avoir des réparations pas mal certaines sur sa voiture avec l'impact qu'il a subi plus tôt. La Lande toujours en bataille avec Leblanc. On se suit bien, ça va quand même assez bien ces deux-là. Oh, c'était large et cette voiture-là, quand ça touche au gazon, assez mortel. Luc Carbonneau qui est toujours à la poursuite de Léger avec sa Aston Martin. Léger du Team Monster. Je vous rappelle qu'au deuxième tour est tombé 27e et avant la mi-course, avant même les pluies, est déjà au top 10. Alors, du très beau travail pendant du top 10. Donner le panneau. Et Pichette qui mène toujours. Alors, c'est une course à sens unique pour Pichette pour le moment. On est premier et on le demeure. Et quand même assez à l'aise. Quand même 1,6 secondes. Et là, Delille, qui est la peur, devra laisser passer Carbonneau. Delille est un nouveau pilote. Oh, on flash les lumières. Oh, petite erreur ici de Delille. Je crois qu'on n'applique pas vraiment le blue flag. Et voilà, on vient de le faire. Mais c'était pas la bonne façon, malheureusement. Alors, faut le pardonner. Nouveau pilote, il vient d'arriver. On va lui expliquer les bonnes choses. Et ça devrait être réglé à la prochaine course.
a vu sa bataille se faire bousiller un petit peu, malheureusement, avec les jets pour tout ça. Sinon, on a. C'est qui? C'est la lancette juste derrière, pas très loin. Les jets qui courent après Mercier. Mercier, ça va bien ce soir. Étant en 9e place. Là, c'est sûr que si on regarde ça comme il faut, là, la flèche qui a réussi à monter en 3e. C'est moi qui est demeuré 2e depuis ce temps-là. Bachelor 4e, Larouche 5, Trudeau 6, Lemieux en 7e, Gignac 8e, Mercier 9e et DG en 10e. Beau travail jusqu'à présent. Même Bernier Godet qui se hisse au top 15, alors petite surprise ici. Je vais vous donner une vitesse de pointe, je vais vous allumer ça. Voilà. Alors, vous voyez, vous pouvez voir à quelle vitesse qu'on peut atteindre. 275 km/h ici pour la lancette au bout de la ligne droite. Et ce n'est pas la ligne la plus rapide. C'est, on va être dedans ici, pour la longue ligne droite. Un petit peu plus vite à 282 km/h pour... La lancette, oh! Et Denis qui vient de revenir de façon un petit peu surprenante et la lancette ne s'attendait clairement pas à ça. Alors, malheureux pour la lancette, on semble pouvoir continuer. On lui souhaite bonne chance pour se rendre à la fin. La bataille la plus proche qu'on a. Sinon, une autre bataille qui se rapproche tranquillement de quelque chose de sérieux, c'est Rock Lemieux avec Gignac ici, avec la voiture Perry Auto. Les voitures Perry qui roulent un petit peu moins cette saison-ci, mais on a Thériault qui est absent depuis quelques semaines. Il devrait faire un retour éventuel, peut-être plus pour la prochaine saison. On semble être en pause. Pour le moment. Et l'autre est Michael Lorty qui, je crois que lui aussi sera peut-être de retour un petit peu plus tard. Donc, pour le moment, le seul représentant du Team Perry est Rock Lemieux. Je tiens pas de promo sur le chat. Effectivement, c'était une grosse erreur de la part de Delis, mais c'est un pilote qui commence. C'est sa première course, c'est sa première expérience en sim racing. Alors, il y a eu un petit meeting avec moi après course et je vous assure que la deuxième course en street stock, c'est beaucoup mieux déroulé pour lui. Il partait très loin, mais apprend très vite. Alors, je suis pas inquiète, ça va bien se passer. Là, Lemieux s'en vient très menaçant face à Gignac. Gignac qui, écoute, ça va très bien. Son coéquipier est en 4e, lui 7e. Ça fait deux coéquipiers dans le top 10. Solide performance. Et puis Jette a commencé à distancer Sirois. Autre chose qu'on ne s'attendait pas vraiment. Alors, Pichette, qui plus ça va, plus prend ses distances. C'est vraiment intéressant. Et là, on a eu d'autres abandons ici. Schaffner, comme de fait. François Demers également s'est abandonné. Et c'est ça. C'est sûr qu'on a eu le plus.
Alors, voilà que le mieux va commencer à mettre la machine en marche et la pression va être appliquée à 100%. On n'est plus qu'à 0,2 secondes derrière. La bord de la voiture de Lemieux, justement. Oh! C'est fait jouer un petit peu ici. Gignac qui a tardé avant de reprendre sa ligne, alors ça a comme empêché Lemieux de prendre une ligne d'attaque. Belle bataille ici. On a Larouche également en bataille avec l'autre. Alors les deux Bachelard et Gignac se défendent face à quelqu'un. Alors les deux pilotes sont en difficulté. Larouche sur la ligne droite. Oh, on vient de prendre la position à cause d'aéropluie. Même chose pour Bachelard, je pense qu'on vient d'arrêter. Est-ce qu'on arrête pour Gignac? Ouais, c'est Bachelard qui a arrêté, pardon. Et Gignac, non, Gignac continue. Alors, on utilise une stratégie différente pour les deux coéquipiers. Bernier rendu 13e, Godet 14. Sur ce. Quasiment avant chaque chicane, on atteint. En fait, avant chaque chicane, on a atteint toutes les vitesses de plus de 250 km/h. Quand on disait que c'est une piste rapide, on le voit, c'est extrêmement rapide. S'accroche à Gignac, mais je l'avais vu plus agressif et plus menaçant, où je pensais qu'il y avait vraiment place à un dépassement, mais ça semble pas si facile de tenir le rythme que Gignac lui impose. Oh, la lancette de Carbono qui vient de se faire dépasser par Bloc et va probablement riposter. On tente vraiment de... Bien sûr, oh mon Dieu, Eric Bloc semble avoir beaucoup de vitesse sur les lignes droites. Carbono qui se rapproche au T1. Est-ce qu'on va être capable de... Non, c'est pas assez. Alors, Bloc qui est vraiment... On a réussi à prendre la position sur Carbono et s'éloigne tranquillement. Alors, Carbono vient de tomber en 10e place et Bloc en 9e. Lemieux qui, lui, toujours tente de se rapprocher. À la limite de la voiture, mais est-ce que ça va être suffisant? Même sur les lignes droites, on dirait qu'il manque quelque chose à la Aston Martin pour réussir à les rivaliser. Là, si vous regardez top 10 encore une fois, il y a beaucoup de Corvettes. Beaucoup de Corvettes. Normalement, il y a beaucoup plus d'Aston. Puis si on prend le top 15, regardez le nombre de Chevrolet qu'il y a, là, c'est
très significatif à mon avis. D'avantager un petit peu sur ce circuit avec les hautes vitesses. La sortie du T1 qui se fait très bien, mais en fait c'est du T2, la chicane numéro 1. C'est très bien fait par Gignac et... beaucoup de fil à retordre. Mercier maintenant qui se rapproche de l'AF et est-ce qu'on va avoir droit à une bataille entre ces deux pilotes? Oh, l'AF qui a dû faire son arrêt au puits. Ok, oui, on a passé la demi-course et j'ai l'impression que l'AF a fait son arrêt au puits. C'est pour ça que Mercier est devenu très près. De plus en plus, mais on peut voir que la flèche très rapide se sauve à vue d'œil. Carbonneau se tente toujours de s'accrocher à Eric Locke. On peut voir la flèche qui s'en approche rapidement. Je pense que ça va être deux autres positions de perdu pour Carbonneau ainsi que Eric Locke. Dans la dernière courbe, avant de rentrer sur la longue ligne droite. Et oh, Locke qui arrête au puits, alors Carbonneau qui va tomber sans aspiration. Par contre, la flèche est quand même pas si bonne. On pourrait peut-être en profiter un petit peu. Martin Léger, 5e place et son arrêt au puits n'est pas fait, mais quand même, toute une remontée de Léger, juste derrière son coéquipier Bruno Pichette qui menait la course, mais là a fait son arrêt au puits, alors est maintenant 4e. Juste derrière Gignac, Trudeau et Serrois qui est premier, qui eux n'ont toujours pas fait d'arrêt au puits. La flèche, lui, qui est en remontée assez spectaculaire également, maintenant 7e. Se rapproche de Carbonneau dans un mouvement. Carbonneau va se faire mettre la pression très bientôt. On peut voir les 10e baisser à chaque point. Sur la corvette, on peut voir que la corvette présentement est en aspiration et en profite énormément. On est allé retrancher 2 dixièmes sur la ligne droite et regardez bien sur la prochaine, on va aller rechercher encore un 2 dixièmes facile. Et oh, Mercier derrière qui l'échappe et on réussit. Oh, petite touchette avec le mur, mais je pense que l'auto. Oh, on est rentré au puits. Alors, on n'est probablement pas content. Je pense pas que l'auto était scrap, mais on était clairement pas content. On est rentré au puits. Et sur l'autre ligne droite, on a rentré encore un 2e. Et là, on va être... voilà. On est passé pendant l'arrêt au puits. Et oh! Trudeau est arrêté. Gignac est arrêté. Alors, la flèche vient de reprendre la 3e. Qui va prendre l'extérieur sur la lancette. La lancette qui a carrément laissé le passage pour ne pas nuire, lui qui ne faisait pas partie de cette bataille. C'était exactement ce qu'un Blue Flag théoriquement doit faire. On laisse passer dans les endroits sécuritaires avant d'arriver dans les courbes. Donc sur les lignes droites, on ne drag race pas, on laisse qu'on lève le pied.
flèche à... Oh, Serrois, alors Serrois a fait son aéropuie également. Pichette vient de reprendre le contrôle et la flèche toujours à 11 secondes, donc à environ 6 secondes, 7 secondes de Pichette présentement. De Serrois, pardon. On va voir si la flèche va être capable de se rapprocher. Il a fait du bon travail également pour avoir remonté de sa 8-9e à cet endroit. Léger maintenant avec les pluies un petit peu plus terminées, quand même dans le top 10 en 8e place. Alors une remontée vraiment spectaculaire de la part de Léger. Carbono, mais ça semble pas facile. 12e présentement, Carbono 11, Bloch 10, Godet 13, Leblanc 14 et Rousseau 15. Et là, on peut voir que la course a été très difficile. On a 11 abandons et le 14-15 pilotes sont à un tour de retard. Et là, on peut voir que c'est rare que ça arrive. Avec la GoPro qui est 15e présentement. Gignac qui se défend. Et tente d'aller rejoindre Trudeau, mais 10 secondes devant, alors ce ne sera pas facile pour Gignac. C'est qui? C'est Leblanc qui tente Delille qui vient de se faire passer par Eric Bloch. Carbono qui s'en vient derrière, pas très loin. Tente d'utiliser l'air de Justin Delille. Sa première participation, mais quand même 16e place. On a vu les accrochages qu'on a pu voir et les nombreux abandons parce que Monza à la haute vitesse ne pardonne pas quand on l'échappe. Voilà la voiture HPP de Serrois qui va passer sur OG. Un autre blue flag bien exécuté. Même que c'est plus rapide pour OG de faire ça parce qu'après il est en aspiration sur Serrois et naturellement il est moins rapide. Alors il peut se servir de Serrois quelques tours pour se sauver des pilotes qui poursuivent. Alors, des fois, on pense que laisser passer, c'est plate parce qu'on est blue flag, mais en fait, c'est que ça peut vous donner un bel outil pour fighter contre les autres derrière. Et puis, Bernier, cette fois, il est passé sur Delille. Cette fois-ci, un beau blue flag de Delille, il a probablement laissé passer Bernier. En 11e, Bernier, ça va bien pour lui ce soir. Une bonne performance pour la GT1. C'est Boulian qui le poursuit derrière.
Boulian étant un lapper, Bernier j'ai le droit dans le fond de rester dedans. Mais, stratégiquement, sachant que Boulian est plus rapide, ça se pourrait qu'on lève le pied pour laisser passer Boulian. Voilà, on laisse passer. On a freiné plus tôt pour laisser passer et là on va se servir de Boulian pour essayer d'avancer plus vite. Pichette qui vient de passer sur René Godet. Alors maintenant bientôt 5 secondes d'avance, ça va vraiment très bien pour lui. Et voilà, on peut voir Bernier qui tente de suivre Boulian pour gagner de l'aspiration et se rapprocher tranquillement de Carbonneau qui est plus loin en 10e. Ça pourrait être une bonne stratégie qu'on emploie ici. On aura eu d'autres abandons et là ça, c'est vraiment difficile ce soir pour les abandons. Là. Ça... 12 véhicules qui ont abandonné. Donc, Baudin, Howard, Miller, Giger, Moss, Kenuel, Savoie, Schaffner, Lalande, Demers, Merci et Garceau. On a trois pilotes du team Canpag, dont Kenuel, Giger et Schaffner. Et non, 4 avec Lalande également. Alors, les 4 pilotes Canpag qui se sont pété la marboulette, disons-le. Donc, ça devient très difficile. Et Bernier, vous voyez, même avec l'aspiration, ne tente rien sur Boulian, veut le garder devant vraiment. Stratégiquement, on veut garder Boulian devant pour profiter de l'aspiration et non pas. De remettre derrière nous pour avoir de la pression inutile. Wow! Les vents qui nous laissent un petit peu. Qui est également pas dans le top 10. On peut voir que Bernier, derrière Bernier, c'est Godet qui est quand même plutôt loin derrière. Alors, l'évêque est à peur également. Et si je regarde aux positions, l'évêque est 19e, mais Boulian est 22 présentement. Alors, même l'évêque a un tour d'avance sur Boulian. Alors, il n'y a aucune bataille. Il n'y a aucune bataille de personnes sur ce qu'on voit présentement. Il y a juste Bernier sur le tour des meneurs qui tente de se servir de l'aspiration pour rattraper Carbonneau. On était à 12-13 secondes tantôt de Carbonneau et là on est en... On est à 16 secondes de Carbonneau présentement. Ça roule très serré. C'est le fun à voir, mais malheureusement, c'est pas une bataille officielle. La seule bataille officielle, en fait, qu'on risque d'avoir, c'est. Même pas, c'est. De voir, mais non, vraiment tout le monde qui c'est vraiment, il n'y a pas grand monde en bataille présentement. Il y a Gignac qui est à 11 secondes. On peut le voir au top 15 également. Là, les pilotes ont tous trouvé leur pace et se sont tous retrouvés en position un petit peu
plus ça, il manque quand même 12 pilotes qui ont abandonné, alors ça fait 12 voitures de moins sur la piste. C'est sûr que ça enlève plusieurs combats. Là, l'évêque qui va peut-être tenter quelque chose, on dirait, on semble pouvoir mettre pas mal de pression. À la course environ. Pichette qui mène ça de main de maître. Quasiment 5 secondes d'avance sur M. Sirois. Quand même un bel exploit. On peut voir qu'il tourne présentement seul pour la long run. Même chose pour Carbonneau. Léger également qui est toujours 8e, tente d'aller rattraper Gignac, mais là on parle de 20 secondes. Trudeau, lui, à 2,7 secondes de son rival qui est Bachelard. Alors, peut-être une bataille à suivre sous peu. Bachelard également qui, lui, à la poursuite de Larouche à 3,8 secondes devant. C'est tout quand même des bonnes distances qui séparent les pilotes. Même chose avec Sirois sur Pichette à 4,7 secondes. Sirois qui tente et on peut voir la flèche plus loin derrière qui semble être dans la même situation. Et Bernier qui... l'évêque qui n'était pas certain s'il allait passer. Bernier rendu à 6,7 secondes. Près de son objectif maintenant à 3,2. Trudeau qui tente d'aller chercher Bachelard. Autant qu'il y a eu énormément d'action en début de course, on dirait que ça s'est comme calmé un petit peu. Étant donné les bris mécaniques et tout, les pilotes qui n'ont pas pu continuer à tourner. À ces trois-là, c'est vraiment la partie la plus serrée qu'on a, même si on n'est pas sur des tours, sur le même tour, les pilotes sont quand même en genre de petite bataille. Oh, on a Pichette derrière qui s'en vient, qui prendra un tour sur Bernier sous peu. Dans l'aspiration, pardon, de Boulian. Ça semble être sans succès. Et l'évêque qui va passer. Le dernier qui va laisser l'évêque prendre sa position. Quelque chose de pas correct. Bernier qui revient à côté, côte à côte. On va repasser sur l'évêque, étant donné qu'on a priorité. Et. Oh non, ça a passé trop serré. Oh, Bernier qui l'échappe, malheureusement. Et la voiture vient douce. Frappe le mur.
C'est malheureux, petite confusion entre les deux pilotes qui a mené à une petite perte malheureuse. Dernier contrôle tout droit pour pas déranger le leader. Bruno Pichette qui prend sa position d'avance sur tous et oh l'évêque qui aurait pu causer un petit accident ici sur Pichette. Oh, est-ce que c'est Trudeau qui vient de... Oh, tout un save, la corvette derrière Pichette, c'était qui ça? C'était... Mon Dieu, je sais pas, je pense que c'était Trudeau. Non, c'est pas Trudeau, c'est Jean-François Leblanc peut-être? Est-ce que c'est Leblanc? Oui, c'est Leblanc, juste devant. Alors, Jean-François Leblanc qu'on a pu voir il y a quelques secondes faire un save magistral. Tout un save de sa part. Et Sirois qui a profité de son aspiration pour aller chercher une position de plus. Lévesque également. Et là, on a Bernier qui est rentré au puits. La voiture souffre énormément. Alors on va le voir dégringoler au classement. Il était 11e à 6 secondes de Carpano. On va voir ce qui va arriver. Profitable pour Godet, c'est certain. Godet qui vient de prendre une position sur Bernier. C'est la voiture de Sirois qui se fait talonner tout près par Lévesque. Et là, on arrive bientôt dans les derniers tours, si je ne me trompe pas. Il reste peut-être un tour ou deux encore, peut-être deux autres tours, puis ça va être. White flag. Sirois toujours à 4 secondes. Oh, mais là on descend rapidement. Probablement que Pichette est dans la chicane au bout. Non! On a vraiment descendu. On a vraiment été chercher un 1.5 sur Pichette. Qui tente de se sauver, mais là on dirait qu'il y a un second souffle ici de Sirois. On est rendu à 3.2, on semble vraiment se rapprocher. Je sais pas si on profite de l'aspiration, même si la voiture est derrière nous, mais on dirait que les voitures sont deux à la place d'une. On se rapproche rapidement de. Ben rapidement, on se rapproche quand même assez vite de M. Pichette ici. Là. Sorti des puits. Même chose pour Rousseau. On peut voir l'overlay avec toutes les barres. Ça veut dire que la voiture est tombée. Le Pichette, naturellement, les barres. Parce que c'est... qui vient de passer sur Delisle.
Ouf, Delille qui aurait dû freiner plus que ça, mais encore là, ça fait partie de l'apprentissage. On apprend nos erreurs. L'important, c'est que la prochaine, ça s'améliore. Ouf, c'est Roy qui pousse à la limite. Il tente vraiment par tous les moyens d'aller chercher Pichette. Et là, je pense qu'on est sur le last lap. Je crois qu'on est sur le white flag. Et on est rendu à 3 secondes. Moteur sauvé pour Dussault, alors ça explique son arrêt au puits. Bernier vient de tomber 14e. Oh, problème de connexion assez important ici de l'évêque. Est-ce que Pichette est ici? Ouais, Pichette rentre dans la dernière courbe. Est-ce que ça va être pour se sauver avec la victoire ou on aura droit à un autre tour? Et non, c'est l'arrivée. Alors, Pichette qui va conclure cette course avec une victoire. Et une convaincante victoire de M. Bruno Pichette. 3 secondes devant. David Serrois. Ensuite, on a James Laflèche Davidson qui vient de rentrer en troisième. Alors notre podium est entré. Et Laf qui s'en venait, il était rendu à 9.9. Larouche en quatrième, suivi de Bachelor cinquième. Un top 5 pour Bachelor. Trudeau en sixième. Magnifique course pour Trudeau. Et le coéquipier de Bachelor, Gignac, qui s'en vient juste derrière en septième place. Jean-François semble très heureux. Fait du gauche-droite avec la voiture. Alors, Gignac qui vient d'aller chercher une position. Martin Léger, 8e place. Une remontée d'à peu près 20 positions pour sa part. Méchante belle course de Martin Léger. Juste derrière Godet qui, Godet, lui, va terminer au 11e rang. Maintenant, on a Eric Block qui s'en vient. À la dernière courbe. Eric Black va franchir la ligne d'arrivée en 9e place. Il ne manque plus que Carbonneau pour fermer le top 10. Et voilà Carbonneau qui passe la ligne d'arrivée. C'est réussi pour lui. Alors voilà là, je vais vous donner le petit résultat de course. Pichette premier, suivi de Serrois Laflèche pour fermer le podium. Ensuite on a Larouche, Bachelor, Trudeau, Gignac, Léger, Eric Block et Carbonneau. Les Léger qui a perdu au classement, si on regarde avec son départ, sauf que, étant donné la remontée qu'il a fait, on lui enlèvera pas de crédit. Il mérite pleinement sa position. Ensuite, on a Godet qui est parti mettre 3e, Devenant 28, Auger 33, Bernier 25. Bernier qui finit quand même 14e, alors il essaie de faire un top 15 malgré son incident en fin de course. Rousseau, Lévesque, Lalancette, Delille, Bouliane, Lemieux, Mercier, Lalande, Demers, Schaffner, Canuel, Savoie, Giguère, Luc Massé, Stéphane Lavallée 29, Mike Belair 30. Garceau 31, Baudin 32 et Howard en 33e. Alors, c'est ce qui met fin à notre positionnement. Et j'aurais oublié tantôt, je vais vous montrer le classement avant la course. C'était le classement que vous voyez à l'écran. Alors, Serrois menait par 217 points sur la flèche et Bachelor était 3e. Ensuite, on avait Pichette 4e, Dupont 5e et ainsi de suite. Alors, vous pouvez voir les autres. Et maintenant, si vous voulez voir le tableau après la course. Alors, Serrois toujours premier. Par contre, on a La Flèche qui est deuxième. Et Pichette qui vient de voler la place à Bachelor sur la troisième marche.
de la saison. Alors, Bruno Puchette qui prend, entreprend un combat face à La Flèche pour le restant de saison. On est à la 8e course, il en reste encore 5. Alors, sur 5 courses, beaucoup de choses peuvent changer. Alors, félicitations à La Flèche pour la victoire. On lui souhaite bonne chance pour les prochaines. Bonne chance à tous les pilotes d'ailleurs. Et ben merci beaucoup d'avoir été là. On avait quand même 4 nouveaux pilotes parce que si vous regardez le classement général de gauche, on avait 54 pilotes. Et ce soir, on en a 60. Donc, 6 nouveaux pilotes qui ont participé depuis la dernière course au GT1. Alors, ben voilà. C'est ça qui est ça. Alors, voilà une fin de course un petit peu plus relax qu'on pourrait dire. Malheureusement, il y a eu tellement de crash que ça nous enlève un petit peu d'action. Mais ceci étant dit, je vous donne rendez-vous demain soir pour le streaming de la course de Street Stock en direct de c'était Canadian Tire Motorsport. Et là, par contre, là, je vous garantis de l'action à partir de la minute 1 jusqu'à la 45e minute. C'est de l'action non-stop du début jusqu'à la fin. Une très belle course que les pilotes nous ont livrée. Ça vaut vraiment la peine de venir voir ça. Alors, demain soir, 21h, venez voir ça. Vous n'allez pas regretter. Alors, bonne soirée tout le monde. Et je vous donne rendez-vous demain soir, 21h, je répète. Et likez notre page SlySim et vous aurez les notifications pour nos lives. Bonne soirée.